Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et c'est parti, mes citoyens s'enflamment mes maisons. Enfin, mes maisons. Les maisons que j'ai conquis. Nous sommes prêts! Allez, 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 allez! Non, 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 pardon. Juste attaquer. Allez, 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 allez! Donc j'ai gagné encore énormément de Un sous. sbire ennemi a été aperçu dans votre colonie. Alors, il est autour de la base d'action. Trouvez l'espion ennemi. Qui est là? Il doit être quelque part. La production a été interrompue. Il est là. Nous avons empêché le pire d'arriver. Vous entendrez parler de moi. Heureusement, je l'ai attrapé à temps quand même. Non, 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 mangez des épices. Un de vos bâtiments subit une attaque. Il est où le pompier? Il est là. Très bien. On est prêt. Prêt. Aux instructions. Nous sommes prêts à l'attaque. À vos ordres. Non, on peut plus s'installer maintenant. Prêt. Quels sont vos ordres? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lui, il doit s'installer là. Pour avoir un poids sur le marché. Les incendies dévastent toujours votre colonie. Le résultat parle. Je peux comprendre vos hésitations. Laissez-moi vous aider. Alors, ce que j'avais pas imaginé, c'est que il m'enverrait des pirates aussi. N'essayez pas de résister, ou vous vous ferez encore plus mal. Ah, on peut lui acheter ça aussi. Pour faisant apparaître des navires ennemis. Une réponse très mal choisie. Ouais, je sais, j'ai pas l'habitude, mais je veux pas échanger avec vous quand même. Et nananer. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. On est bon au niveau date, on n'est pas bon au niveau lait, et les tapis, il n'y en a plus, c'est normal. J'ai coupé la manufacture de tapis. Pour avoir de l'indigo. Et j'ai pourtant pas assez d'indigo. On va encore monter l'indigo. Vous en savez déjà beaucoup sur l'architecture orientale. Vos réserves de nourriture viennent à manquer. Pas de nourriture. À Termude, on s'en fiche ça. Le peuple se livre à de violentes émeutes dans la rue. Bah, il est nul. Ouais, il est nul. Il y a largement moyen. Voilà. Je serais heureux de vous aider. Puisse je suis désolé, Allah on va recouper. Vous bénir pour votre bonté à l'égard de mon peuple. Les deux consommateurs d'indigo. Il y a peut-être un deuxième truc de tapis. Mon équipage. Une flotte ennemie progresse sur votre territoire. Arrêtez immédiatement. Vous me saoulez, madame.
Vous le savez ou pas? Il a coulé mon bateau, lui, entre temps? Ah non, il me l'a laissé presque mort. Un sbire ennemi a été aperçu dans votre colonie. Et il est là. Nous avons empêché le pire d'arriver. Oui, j'ai de bons yeux. Alors déjà, 10, ça permet de faire 2 sur le total. Une juste transaction. Ça me plaît. On a plus suffisamment de poissons là? Ah non, on a juste 49, c'est tout. On fait pareil, on vend que quand il y en a tellement que c'est beaucoup. Alors. Il m'a filé un diplomate. Alors, le truc c'est que lui il est tellement abîmé qu'on va aller le réparer. Et l'autre va prendre sa place. Salam alaikum. 3000. Je sais pas pourquoi ça vaut autant, mais. Ah bah on fait le tour entre les trois personnes, ils font ça couramment. Il me l'a pas brûlé, mais faut que j'ai des gens qui passent pour que ce soit rentable. J'hésite à faire des trucs d'épices. Après je vends les épices aussi. On va en faire juste un d'ailleurs. Ah j'aurais pu me caler sur un seul... Une seule Noria. Bah c'est le cas d'ailleurs. Celle-là, elle sert pas. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. La production a été interrompue. La traque. Alors, va te faire réparer, toi. Salam alaikum. C'est un... De ce côté-là, ça a cassé le bâtiment. Soldats, en avant! En avant, marche! La production a été interrompue. Votre navire est la cible de tirs ennemis. Une île a été... Je vais vous apprendre à faire preuve de respect en présence d'une dame de haut rang. Voilà, faut que je sois suffisamment rapide. Et lorsqu'ils arrivent à glisser des petits coups, ouais, lui il est mort le petit. On l'a suffisamment blessé pour qu'il soit suffisamment ralenti. Alors la prochaine étape, ça va être... Celui-là, on va se mettre là. Il y a moyen pour capturer les deux à la fois. Nous sommes prêts. Je suis ravi de voir que vous acceptez de vous occuper de cette affaire importante. Alors, vous savez qui... Toi, tu te balades dans mes eaux.
Une carte. Ah, faut cartographier tout. Ainsi, et s'il reste des champs des marchandises. Il reste combien de temps? 4 minutes. Oh, ça va être trop court. Faut un autre bateau. Et s'occuper de ce plan là. Voilà, hop, relançons les tapis. Donc là, ils vont mettre mécontents sur les tapis, normal. Sur le lait, ils sont bons. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. A cessé de produire des marchandises. Un de vos bâtiments subit une attaque. On est prêt. Je pense pas qu'il ait la capacité de faire grand chose tout seul, lui. On peut l'avancer quand même. Il a des maisons qui sont devenues des maisons de paysans. Je sais pas si mais il les rase avant. Alors si mais c'est juste qu'elle change de truc. Je ferais mieux de repartir de zéro plutôt que de rester moisir dans cette ville. Une île a été cartographiée avec succès. Très bien. Votre peuple veut pouvoir s'amuser. Voilà qui va faire des heureux. Il considère que c'est mon peuple et moi je considère pas. À l'attaque ! Attention ! Annihilez l'ennemi ! Quels sont vos ordres ? Mes ordres. Attendez. C'est à moi ça ? Chaque nouveau siège au conseil accroît votre influence sur cette île. Ça aurait été trop facile. Faire construire un bâtiment là. Soldats, en avant! Bon, allez, on va l'enfoncer. Une île a été cartographiée. Ah, mais il y a déjà des révoltes. Aïe, ah, ça va être trop court. On peut pas lui donner certaines cartes. Coût d'entretien réduit moins 20%. Bâtiment capitaine du port, quai, entrepôt portuaire, grue de réparation, chantier naval dans une colonie. Ah, c'est dommage, c'était très bien son truc. Enfin, je sais pas, je l'aurais mis d'ailleurs, mais. La production a été interrompue. Là, ils sont bien placés. Je suis on ne peut plus près. Très bien. Je sais même pas si c'est nécessaire du coup. Je m'en mesure de précaution, on va leur ordonner de se révolter. Aux ordres. Vos réserves de nourriture viennent à manquer. Ouais, mais très mule de. Comme sur des roulettes. Je vous avertis. Vous m'avertissez quoi? Il y avait déjà une révolte. J'ai fait qu'un peu accentuer les choses. La production a été interrompue. Mine de minerai. Parce que on a trop de minerai, c'est ça? Ah, parce qu'on a trop d'armes, c'est vrai. Une île. C'est toujours ça avec ça. Oh, il y a ça. J'avais oublié ce bateau. Vite. Ça va pas passer. Ma flotte apporte inlassablement jusqu'ici. Votre assistance n'est plus requise. Les portes de mes entrepôts. Si je peux vous aider, j'achète régulièrement des. Ça c'est pas passé comme je voulais. Marché conclu. Monsieur le Sultan, si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, votre assistance n'est plus requise. Plus de 100, ça ira.
Je prends ce qu'on me doit. Non, quoi? Tu prends rien du tout. En plus, j'avais fait la carte. Oh là là, se battre pour avoir de l'indigo et finalement ne rien avoir. Au moins, on devrait être bon au niveau indigo produit. Tellement augmenté. Tout ça, c'est de l'indigo. Je ne peux accomplir cette quête importante sans votre aide. Non, 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 toi tu vas voir le vice. Ah bah attends. Ah, il veut que je livre à l'entrepôt, ouais, c'est ça, bah. Attends un instant, mon gaillard. Nous sommes prêts. Soldats, en avant. À vos ordres. Allez, là-bas. Vos ordres. Bon, je pense qu'elle fait plus le poids, faut que je l'écrase un maintenant. De vos bâtiments subit une attaque. Nous sommes prêts. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Non, j'ai dit que je rasais pas les maisons, même si jamais rien du tout. On a accumulé une grande quantité de pièces d'or. Est-ce que l'église est à moi? Ah mais elle coûte cher l'église donc. Au revoir. La zone militaire ennemie. Évidemment. Alors là, ça va tomber. Là, ça se bat. Quels sont vos ordres? Vous avez vaincu l'unité adverse. Où ça? La tour. Très bien. Prêt. L'armée est en marche. Nous sommes prêts. Soldats, en avant. On va prendre le maximum de monde pour vaincre le donjon. Faible source d'eau. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Je voulais des pourpoints de cuir. Ouais. Eh ben, les voilà qui arrivent. Mon autre bateau. Ainsi t'as cessé de produire des marchandises. Il va récupérer tout ça. Et il va les vendre. Non, on peut faire un grand camp. Quels sont vos ordres? Alors, ça c'est vous un grand camp. Vous avez remporté la bataille. On y va. Attention. Ça c'est un petit camp. Vous êtes bien audacieux. Essayez donc. Ça c'est un petit camp. Je serais heureux de vous. Ça ça a été cassé, ça ça a été cassé, ça on va le prendre. N'oubliez pas que tout s'achète, même notre vénérable conseil. Elle a que des maisons de paysans délabrées. Oh mon dieu. Comment va-t-elle faire? Non, là-bas, elle a encore des patriciens qui se révoltent. Mais elle a la ville du sud aussi. Je vous préviens dès que j'aurai un. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Bon, elle a aussi des révoltes dans le sud, donc c'est très bien ça. Très bien pour moi en tout cas. De ce côté-là, ils sont satisfaits. Ah non, non, c'est pas bien ça. C'est-à-dire qu'on les a incités à la révolte en bas, je pense. Y'a pas un bateau méchant? Non. Parfait. Je crois que c'est noir juste parce que les points sont les uns sur les autres. Le conseil des 10 vous remercie.
Ça fait quoi le faux prophète déjà? Laissez-moi m'en occuper. Votre espion a pied de ses déguisés en prophète et prépare un discours. D'accord, je ne saurais pas. Je crois que ça fait perdre de l'argent. La danseuse du ventre, on a vu qu'elle faisait perdre de l'argent. D'ailleurs, c'est un bon plan de lui faire perdre de l'argent vu que le but c'est de la ruiner. Ah, les maisons de paysans délabrées, elles brûlent quand même. À hypnotiser le peuple de Prédiville. Mon discours. Votre comportement est écœurant. Comment elle fait pour deviner que c'est moi qui sabote à chaque fois? Vous essayez de m'assurer vos efforts continus. Avez-vous des nouvelles à me donner? Une transaction fructueuse. Je suis ravi. M'a donné une planche d'ursi. Point de vie augmenté. Ça me plaît. On pourrait prendre des taxes sur le lait. Non, j'ai pas vraiment des endroits où je vends des trucs. Un de vos bâtiments, ça me plaît. Du lait. Moi, tu vas juste rentrer. Hop. Un de vos bâtiments est attaqué. Quels sont vos ordres? À l'attaque! Ouais. Annihiler l'ennemi! À l'attaque! Bon, il va y avoir des morts. Mettez-les en pièces! Sabotage! Il tente de s'infiltrer. Vous avez empêché 50 sbires de semer le trouble dans votre ville. Hé hé! Fabuleux! Une honorable transaction. La 4000, il m'a filé. Un grand camp. Un grand camp qu'on va caser. Je sais pas où encore. Aux instructions! Non, non, tu peux pas. Hein. Il essaye quand même. Quels sont vos ordres? Le régiment de la lame va trépasser. Donc je fabrique pas de provisions, sinon je pourrais soigner mes troupes très vite. Assez! Je vais mettre un terme à votre impudence une fois pour toutes! Vous avez perdu l'unité, hop. Nous sommes prêts. C'est ce que j'attendais pour mettre un autre à la place. Aux instructions. Une transaction équitable. Laissez-moi vous aider. C'est marrant qu'il y ait une zone qui soit devenue délabrée. Ah, parce qu'ils ont plus accès à la zone de marché que je contrôle, c'est pour ça. De ce côté là c'est pareil en fait, c'est parce qu'ils ont plus accès à la zone de marché alors qu'il en a encore une là qui influence jusque là. Une transaction fructueuse. Dans bien. Hop, il a été détruit, je m'en doutais. Y'a que ce bâtiment de marché là que j'aurais. Ah ouais, alors par contre, ouais non, ça, ça va saouler. On va faire pareil. Alors... on va prendre de la pierre aussi, tant qu'on y est. On va aller là-bas. J'ai fait aller là-bas, on est d'accord? Voilà, toi tu vas devenir un château. Hop. Parce que si jamais à chaque fois elle se permet de revenir en arrière, on va jamais s'en sortir. Je veux dire, se permet de reconstruire un bâtiment à la frontière, on va jamais s'en sortir. Sbire démasqué. Oh, ils sont en zzz. C'est bien, messieurs. Ruinez-la. Ruinez-la.
J'espère que personne ne m'a vu entrer. J'informerai le sultan de vos généreuses donations. Ça me coûte très cher, mes camps militaires. À force. Mais bon, parfait. Peu importe. Cette cachette est idéale pour nous. On y va. Les détails doivent rester entre nous. Attention. Non, juste vous. Prêt. Ah mince, ouais, ça repose le camp quand les ils ont la place. De votre colonie souffrent d'un manque de compagnie. Et si ? Il y a encore des habitants ? Ah, les paysans emménageront à nouveau ici lorsque leurs besoins seront satisfaits. Ouais, bah, ils vont pas emménager, hein. Une juste transaction. Ah, on a tous les deux une charrette de vos bâtiments et la de pompiers. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Nous sommes prêts. Ouais, alors je voulais vous déplacer, vous. Oh, ça m'a rapporté 5000 la ville du sud où on vend le café. Oh, c'est bon ça. On est prêt. Et on va aller dans le même coin avec eux. Marche. De ce côté-là, ce bâtiment va tomber. Pas de vous voir. Il va pas être détruit normalement. Là, j'ai laissé ce camp pour éviter qu'elle puisse reconstruire un bâtiment derrière. Quels sont vos ordres ? Parce qu'en théorie, elle pourrait, hein. Imposez-vous au conseil. Un truc là. Avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Ces actions sont toujours si chères. Alors que la ville est plus que l'ombre d'elle-même. Une transaction équitable. J'ai pas rasé cette église ? Ah non, parce qu'elle est en zone. Prêt ? Toi, tu vas. Rien ne peut nous arrêter. Attaquer aussi, hein. Je l'avais pas lancé. Bon, le donjon est toujours très dur à tuer. Après tout, après ce qui coûte. Un incendie fait rage dans votre colonie. Un Termund, ouais, mais on s'en fiche de Termund. Enfin, si, faut que je construise un bâtiment de marché si jamais. Elle amène quelque chose, mais. Voilà. On monte un peu le stockage. Toi, tu retournes là. Vous devez comprendre que les chevaliers et leurs coursiers ont besoin de temps pour se reposer. Je comprends. Très bien. On va les laisser. Prêt. Tout le monde y trouve son compte. Voilà. Onze mille, waouh. Je vais bien croire que ça me coûte en coût d'entretien l'île là-bas, mais si elle m'apporte 11 000 tous les X temps, ça doit valoir la peine. On a encore quoi comme ressources? Oh, encore salam pas mal. Alaikum. C'est... Rien ne peut nous arrêter. Un grand camp. Lui, il va se faire tuer encore. Quelle insolence et honte. Oh bah, je suis déjà à zéro, vous voyez. À zéro de zéro de relation avec elle. On peut pas descendre en négatif. Partez, avant que je ne fasse quelque chose que je regrette. Non, je suis à zéro. J'ai failli ne pas vous reconnaître. Pourquoi ne pas me reconnaître? On m'a souvent dit que j'étais éloquent, mais jamais dans cette situation. On sait jamais quels commentaires ils font, nos personnages. On sait juste que ça plaît ou ça déplaît. Ah oui, je lui, il avait fini ses trucs. Une expérience. Et vous? Ah, ça change. Saumure et herbe. Un peu plus compliqué pour moi d'avoir de la saumure et des herbes. Sachant que les herbes sont toutes consommées. On dirait que c'est
tout bon, mais en vrai il manque des vêtements, pas de pourpoint. Des navires ennemis ont été aperçus dans vos eaux territoriales. Pas de bière. Il manque du pain et des épices. Ah, encore des épices, c'est fou ça. Alors on va lui demander d'arrêter de saouler. Et toi, pour l'instant tu aides. Nous sommes prêts. Aux instructions. Nous sommes prêts. Un de vos navires est attaqué par les corsaires. Votre peuple se languit de trouver de la compagnie. Ah bah il abandonne le corsaire. On va juste le mettre en pause pour qu'il se soigne. Un de vos bâtiments asséché. Ah oui. Attaque terrestre. Rien ne peut nous arrêter. Mettez-les à genoux. Mettez-les en pièces. On y va. Les corsaires attaquent votre navire. Vous êtes à deux doigts de satisfaire vos désirs, si telles sont vos préférences. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. Je parie que c'est encore un débris qui est censé rapporter de l'honneur. Ah, tout le monde a couvert, puissance de feu augmentée. C'est pas un débris qui rapporte de l'honneur. Vos actions trahissent vos origines médiocres. Vos origines médiocres. Je vois, je ne suis pas un Constanza, donc mes origines sont médiocres. Vos instructions. Vous avez capturé un bâtiment militaire ennemi. Oui. Récite à cesser de produire des marchandises. Ça me plaît. Pourquoi il pourrait pas se battre contre le... On y va. L'armée est en marche. Prêt. Prenez le contrôle de cette ville. Ah, elle a remis des bâtiments de marché partout. On va se mettre entre ces deux-là. La production a été interrompue. Laissez-moi vous aider. Ça sent la fin. Pour eux en tout cas. Enfin, même que pour eux. Pas pour moi. Moi je m'en sors. Soldats, en avant.
Elle va pas en profiter pour faire les campements les plus proches qu'elle peut. De toute façon, elle peut pas dépasser cette ligne là. Mais si, elle pourrait en faire un là. Non, je pense pas qu'elle puisse en faire un là, mais elle pourrait essayer d'en glisser un par là. Attention ! Elle peut pas s'installer près de mes campements militaires, donc dans les zones vertes là. Elle peut pas ni détruire ni. Aux instructions ! Construire. Annihiler l'ennemi ! Pas de prisonniers ! Eh bah elle va être morte elle. Il serait temps qu'elle lâche l'affaire. Sinon je peux venir lui mettre la pression dans le sud, ça la motivera peut-être. Ça c'est ma ville. Je pensais plutôt à m'installer là par exemple. Vous avez vaincu l'unité adverse. Rien ne peut nous arrêter. Allez, 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 allez. Quels sont vos ordres? Honneur et gloire. Je serai heureux de vous aider. Elle doit plus avoir la pierre pour faire les tours. Un de vos bâtiments est la cible d'une attaque. Quels sont vos ordres? Lui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh bah soit, parfait. On attaque. Avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. Quelque chose que je regretterai. On est prêt. Qu'est-ce que tu pourrais faire que tu regretterais? Rien en vérité, rien. Vous avez remporté la bataille. Aux instructions. Remporter la bataille contre la tour. Là, on n'a pas la place. Prêt. Aux instructions. Restons près de ce truc-là et de ce truc-là pour les conquérir. Quels sont son bâtiment de marché? Oui, il va vraiment être temps de lui mettre la pression dans le sud. La production a été interrompue. C'est toujours pas cette île-là, plutôt celle-là. Dois-je comprendre que vous avez un tour dans votre manche? Je comprends pas pourquoi, quand je construis des trucs à partir de là, il se plaint. Oui, oui. Je sais que mon peuple se languit. De ce côté-là, on produit plus parce qu'on en a trop, c'est normal. Enfin, c'est normal. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. J'ai l'impression qu'elles sont increvables par contre, les Noria là-bas. Ou alors je les recharge fréquemment, mais je m'en rends même pas compte. On va entretenir celle-là. Celle-là, on en a besoin. Je sais pas si la petite Noria est toute seule justifie le fait qu'on ait juste ça. Si le champ de la plantation de café à elle toute seule justifie le fait qu'on ait une Noria pour elle. Vous avez remporté la bataille. Un sbire ennemi a été abattu. Quel manque de respect. Elle a un grand navire de commerce. N'ayez aucune pitié. Alors, soldats, si ce sont les seuls à pouvoir lutter, on va pas. Il va me le tirer dessus ou pas? Non, pas une fois que je serai rentré. Alors, on va laisser comme ça. Sauf si eux peuvent venir de ce côté-là. Votre population gaspille son argent avec une danseuse du vent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas fait gaffe, il y avait un sbire. Qu'on admire le spectacle au moins, elle est où la danseuse? Elle est là. Ah non, elle est là, ouais. Là, il y a un type qui vend des... je sais pas quoi. 5 pièces d'or. C'est... t'as verré?
J'ai cru qu'il disait ça, mais ça fait pas très très sens. Pas trop sens. Bon. Ah mince, ça a pas suffisamment d'effet. Enfin, c'est 10% et du coup, ça fait même pas un dégât de plus. Faudrait que je le mette sur un plus gros bateau si je veux le booster. Alors, lui en théorie, il prend ça. Prend les pourpoints si on en a trop. Prend les outils. Voilà. Et il va les vendre. Un ennemi vous a vaincu au combat. Non, pas possible. Si. Quel manque de respect! Vous osez me déranger ainsi? On est prêt. Qui contrôle le conseil contrôle la ville. Ouais, ça j'avais pigé. Ah, mais il m'a détruit mon genre de marché. Avec ses tours à force. Qui l'aurait cru, pas moi. Je pensais que ça aurait été encore beaucoup plus lent. Mais ça n'a pas été le cas. Bon bah. J'ai toujours celui-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? À l'attaque. 5 minutes. Pendant ce temps-là, je détruis ça. Après, il faudra que je détruise tous les petits machins de marché pourris. Si je détruis celui-là, ça va regrandir mon influence là, au moins. Même s'il y a encore lui qui m'embête. Aux ordres. Vous êtes bien audacieux. Vous pouvez faire quelque chose pour nous. Ah oui, je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Ça dépend, vous me rapportez combien. Les habitants de votre colonie. Oh, des taxes en livres. Alors, on en est où avec ce service? Alors, vous me l'avez demandé il y a un instant, vous permettez. Taxe en livre, oui, ça me servirait. Même si, pas sûr, parce que j'ai beaucoup de livres. Est-ce que mes citoyens sont contents? Pas en épices. 91, 21. Juste épices et vêtements. De quelque manière que ça. Mais je suis en train de me dire que sur la route des épices. Mettre deux caisses d'épices, c'est peut-être. Ah, mais non, il y avait 40. Alors, peut-être que le bateau peut stocker que 40 en fait. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des épices. Gagne et max. D'ailleurs, il y a de l'indigo aussi. Il y a beaucoup d'indigo. Ah, ouais, les épices, il y en a suffisamment. C'est le bateau qui va pas assez vite pour tout transporter. C'est un autre problème, ça. Et sur la route de chanvre, on va arrêter de transporter les verres. On le transportera manuellement si besoin. Et on va mettre un deuxième truc de chanvre. Parce qu'ils sont à max à Wolfhaven. Ah, c'est un... Quoi, il y en a plein à Goldford. Bah, où est le souci? Où est le souci? Le souci, c'est qu'il n'est pas transformé en vêtements. D'ailleurs, on le vend. On va arrêter de le vendre. Alors, les vêtements. On va juste retirer les vêtements. On va en faire deux et ce sera normalement suffisant.
les épices, normalement j'ai la solution. Le pain, on va voir. La bière, il n'y en a peut-être pas de temps à autre. Il en manque peut-être de temps à autre. Puisse Allah vous bénir. Si vous utilisez votre ruse, vous viendrez à bout de cette mission. Enfin, peut-être. En quoi il faut être rusé? Je ne suis pas toujours ça. Alors les livres, on en a pas mal, et en plus on risque d'avoir des taxes. Je ne peux m'empêcher de me demander si votre... Fabuleux. Ah, elle reconnaît que je suis supérieur. En quoi utiliser ma ruse va m'aider en fait? Mes navires seront ravis de vous approvisionner en marchandises de mon pays natal. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. J'accepte cette transaction. Alors, dépôt de bêtes et récupérer une caisse de débris flottant. Débris flottant, c'est parti. On va lui laisser le canon. Une transaction équitable. Et les pots, on va aller les chercher. Elles sont produites là. Et il y a un tanneur qui va s'arrêter pour l'instant. Même deux tanneurs qui vont s'arrêter pour l'instant. Que je pense à améliorer mes bâtiments de marché. Ou alors que je fasse des orientaux à chaque fois. Parce que les orientaux, on peut pas les monter. Mais en revanche, ils sont bien utiles. Un de vos bâtiments est la cible d'une attaque. Un de mes bâtiments. Nous parce qu'elle a gardé ça dans son champ de rayon. Imposez-vous au conseil avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Soldats, en avant! Salam alaikum. Soldats, en avant. On est prêt. On est prêt. C'est sérieux ça? Il a reconstruit un bâtiment de marché, mais quasiment instantanément. Il me saoule. Faut-il donc que je fasse des tours? Je peux, hein. Faire des tours pour dire non, tu le conseil des 10 vous remercie. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Donc la tour, tu tapes là-dessus. Dépêchez-vous! Ça va être très long, deux par deux, mais. C'est pas grave. Vos instructions! Ça me plaît. Rien ne peut nous arrêter. Un sbire ennemi sème le trouble dans votre colonie. Vos troupes sont victorieuses. Pris la main dans le sac. Monsieur marche comme un beau suspect. Il est temps pour moi. Que voulez-vous que je fasse? Je le tue évidemment. Les murs tombent. Prêt. Nous sommes prêts. Soldats, en avant. On y va. On va faire mieux. Mince, ouais, forcément il s'est remis. Les détails doivent rester entre nous. Alors envoyons-lui feu sur le petit bâtiment de marché. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Elle a pu valoir grand chose sa ville. Ah si, elle vaut encore beaucoup. Alors que franchement, pour ce que c'est un peu de surface quoi. À vos ordres. Pas de prisonniers. Salam alaikum. C'est un honneur, comme toujours. Rien ne peut nous arrêter. Vos instructions. On
ça va être mes instructions. J'aimerais bien me mettre là, mais... C'est pas possible. Ah, mais je peux faire de la place si c'est chez moi. Non, parce que c'est zone militaire ennemie. Quand ça sera plus en zone militaire, quand ça sera tombé, ce sera mieux. Tape pas. Les murs continuent de tomber. Les habitants de votre colonie souffrent d'un manque de compagnie. Bah, qu'ils partent. J'aurais pas dit de rester. Une transaction fructueuse. D'ailleurs. Dans bien des sens. Non, on peut pas aller taper tout là-bas. Il m'a acheté de l'indigo. On est riche. On gagne du territoire. À croire que ce n'est plus qu'une question de temps. On va voir si avec le dernier ça se passe tout aussi bien. Mais sinon, ça devrait être la victoire. Ouais. Du coup, je suis en train de me dire ça va faire un peu répétitif. Si vous en avez vu assez pour les guerres, passer directement au dernier épisode, je ferai un compte rendu dans le dernier épisode, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ou alors je le fais maintenant. Pour l'instant tout s'est pas fait, mais est toujours la bienvenue. Je me suis rendu compte que la baronesse machin, on pouvait la battre. L'autre, il m'a pas posé de soucis parce que je l'ai pénalisé dès le début. Je sais même pas si j'avais besoin de le pourrir au début pour qu'il me laisse en paix. J'ai eu un peu peur qu'on me déclare la guerre. D'ailleurs, vous aurez un épisode bonus, je crois que c'est l'épisode c'était 8. C'était juste une question de temps. Un 8 bis, un 8 dans lequel ça s'est mal passé, en fait, tout simplement. Et on va s'arrêter pour cet épisode. À bientôt pour le suivant, ou alors pour le dernier.